Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au deuxième séminaire du cycle de l'Université citoyenne. En cette année exceptionnelle, la 24e édition de l'Université citoyenne se passe en ligne, mais ne perd aucunement en richesse d'échange ou de partage. Pour les nouveaux venus, je rappelle qu'un certificat d'auditeur est prévu pour les plus assidus d'entre vous. Et pour y avoir accès, il faudrait se présenter à 80% des séminaires, soit 7 sur 9 des conférences. Je rappelle que pour marquer votre présence, un lien vous sera envoyé juste avant le débat dans l'espace chat que vous devrez renseigner avec votre code et adresse email. Le chat se trouve à droite et c'est l'espace où nous pouvons écrire des messages. Donc c'est là où vous pouvez justement vous discuter avec nous en direct. Et je vous prie, mesdames et messieurs, de rester attentifs jusqu'à ce que je vous fasse parvenir le lien. Alors ce soir, nous allons traiter d'un sujet du troisième axe, pensée et société. Un sujet extrêmement particulier, inconnu par beaucoup de personnes, et nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui une personne exceptionnelle. Et si je vous disais que Dr Odile Myriam Wachet pratique la médecine depuis 39 ans, entre les urgences des hôpitaux puis au SAMU sur l'autoroute du nord de la France, pour enfin co-diriger un hôpital de province avec plusieurs services tels que la médecine, la convalescence, la gériatrie et les urgences. Ensuite, elle s'occupa de faire plusieurs remplacements de médecins de campagne. Donc vous allez sûrement me dire, quelle dame formidable. Ce n'est rien comparé à ce qu'elle a fait ensuite. Parce qu'à partir de 1986, elle s'installa en médecine non conventionnelle et est actuellement psychosomaticienne et utilise beaucoup d'outils dits naturels. Et lorsqu'elle n'est pas en consultation, elle écrit des livres qui seront très bientôt publiés, et ce pour enseigner les valeurs de la vie aux enfants, pour protéger les personnes âgées et surtout, pour transmettre la joie. Docteur Odile Myriam Wachet, on aurait été en présentiel, j'aurais demandé un tonnerre d'applaudissements pour vous. De toute façon, là, même en distanciel, rien ne nous empêche de le faire. Donc je demande à ce que chacun d'entre vous puisse applaudir chez lui pour accueillir Docteur Odile Myriam Wachet. Doc, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci infiniment, Mehdi, pour cette présentation vraiment qui me touche beaucoup. D'une part, voilà, on va démarrer tous ensemble autour de ce thème, le nom de la conférence qu'on a définie avec Ali Cherouchni, c'est la médecine alternative. Et vous allez voir, on va peut-être dévier un peu de notre trajectoire, comme les comètes qui s'amusent à faire ça dans le ciel. Je voudrais d'abord dire un grand merci à Ali, parce que vraiment, il me fait un grand honneur de m'inviter chez vous et d'être avec vous tous. Alors avec cette grande frustration qui est effectivement le visuel par l'intermédiaire des ordinateurs qui change beaucoup par rapport à du présentiel, mais voilà, je sens que le vivant arrive à passer malgré tout dans les images. Donc un grand merci à Ali, je l'ai rencontré à Lyon dans les cadres de Dialogue en Humanité. Dialogue en Humanité a été créé par Patrick Vivret, Gérard Collomb, a lieu tous les ans dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, dans les premiers jours de juillet, sauf évidemment l'année dernière, et pour cette année on est encore beaucoup évidemment en point d'interrogation. Il a pu voir que j'y animais des ateliers, notamment des ateliers de mudra, que j'appelle un art martial en douceur, qui est une gestuelle des mains, qui consiste, et ça c'est quelque chose d'assez fantastique, parce qu'on peut être malade, on peut être, je dirais, prisonnier, on peut être confiné, eh bien on peut pratiquer cet art martial avec très très peu d'espace, et ça fait circuler l'énergie partout dans notre corps, avec énormément de bienfaits. Et donc, je fais cela et je co-anime également, quand on m'invite, des agoras, c'est-à-dire des palabres sur ces fameux arbres du parc de la Tête d'Or. Et Ali a repéré, j'essaye de parler essentiellement, évidemment, du domaine que je connais bien, c'est-à-dire celui de la médecine, mais également sur d'autres thèmes qui me sont très chers, comme la protection des personnes âgées en particulier. Et Ali a vu la joie que j'avais à aimer partager véritablement tout mon cursus. Comme l'a rappelé Mehdi, ça fait 39 ans que j'exerce la médecine, ce que j'appelle mon art médical. Et c'est vrai que j'ai exploré beaucoup, pas simplement les autoroutes en tant que médecin, mais les autoroutes de la vie, du vivant. Et quand on me demande d'ailleurs comment je me définis, j'aime à dire que je suis une aventurière du vivant.
Si vous aviez envie de creuser un peu le sujet, je vous montre là un livre. Je pense que, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, ça s'appelle « L'avenir est en nous ». Il a été écrit par une journaliste qui s'appelle Marie Clinchard aux éditions d'Angle. Et il y a une petite phrase sur ce livre. J'aime démarrer mes conférences ou mes entretiens par un petit mot comme ça qui peut peut-être nous unir tous. Et c'est un mot de Bertrand Vergely, qui est un homme exceptionnel et qui dit en introduction ici, nous sommes tous des inaugurateurs d'aurore. Hein, c'est vraiment pour moi une expression absolument magnifique. Alors, il y a deux autres personnes que je souhaite remercier de façon importante. C'est Mehdi, précisément, que vous venez d'entendre, et Majid, qui ont eu une patience absolument d'ange avec moi. Pour vous définir comment je suis à l'aise en informatique, je me compare souvent à une poule avec une fourchette pour manger son maïs. Donc, vous voyez à peu près la patience qu'il faut avoir avec moi pour que ces outils fonctionnent. Par ailleurs, je pense que j'ai, alors ce qu'on appelle, et on en parlera peut-être tout à l'heure, d'une forme de magnétisme et en tout cas une énergie qui est très forte dans mes mains et en général quand je touche à ces bestioles que sont les ordinateurs, ils font des caprices. Voilà. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je connais pas bien, mais je suis venue de nombreuses fois au Maroc. J'y ai usé beaucoup de chaussures en marchant dans les montagnes, en marchant dans les rivières et en marchant dans le désert également. Et j'aime à dire, et tout à l'heure en lisant un peu mes notes comme ça pour vous tous, je me disais en plagiant un poème indien que en fait j'ai appris le balancement des épaules du dromadaire. Et je trouve ça pourrait faire d'ailleurs un titre de livre intéressant pour parler de mon expérience dans le désert, de la rencontre du vivant sous toutes ses formes également dans le désert. C'est vraiment quelque chose de beau. Voilà, et tout ça, c'était pour vous dire que j'aime vraiment profondément le Maroc, que j'y ai d'ailleurs des projets. Et ça, à l'occasion, on en reparlera une autre fois ou plus tard. Ce que vous ne voyez pas parce que je suis assise, je vais essayer de me mettre debout tout à l'heure pour quelque chose de particulier, vous verrez, je mesure 1,51 m. La demi est très importante. Et vous imaginez évidemment comment j'ai une vue sur le monde complètement différente quand je suis perchée sur un dromadaire. Voilà, et ça, ça rejoint en plus l'expérience de quelqu'un que d'aucuns de vous connaissent peut-être, qui s'appelle Théodore Monod, qui a beaucoup aussi marché dans le désert. C'était un grand scientifique et qui découvrait le vivant sous toutes ses formes dans le désert. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'imagine que vous êtes tous là pour entendre parler d'une médecine peut-être autre que celle qui est pratiquée de façon dite classiquement. Je vais vous proposer un petit exercice. Ça s'appelle la douche énergétique du docteur Ouaché, c'est mon nom. Cet exercice, je vais vous proposer de le faire tous ensemble. Il a pour but essentiel, il est 18h40, je vais garder un œil sur la pendule pour essayer en plus de ne pas trop déborder sur le temps qui m'est imparti. Et cet exercice se fait de façon extrêmement rapide, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours de yoga auquel vous assistez. On va simplement se mettre debout, je vous invite. Alors moi, je vais dans un premier temps rester assise pour que vous puissiez voir mes mains et ce que je fais au niveau du haut du corps. Hein. Mais vous, je vous invite donc à vous mettre debout. Si vous le pouvez, si ça vous permet de garder un œil sur l'écran, vous enlevez vos lunettes. Moi, je les enlèverai aussi, mais parce que je vais vous guider. Hein. Cet exercice va nous permettre de réunir en fait nos forces, nos énergies, nous permettre de nous ancrer profondément dans cette belle terre qu'est notre planète, de nous permettre d'être sur notre axe et de nous connecter, en fait, voilà, on va dire, aux étoiles. Donc, j'enlève mes lunettes pour que vous voyez également ce que je fais parce que, alors moi, je ne vois plus rien du tout là, mais pour l'instant, ça n'est pas encore nécessaire. Donc, vous êtes debout. Si vous avez des gros bracelets ou des montres, posez-les également à côté de vous. Vous pouvez pratiquer cet exercice avec vos chaussures ou sans vos chaussures. Par contre, mesdames, s'il y a des dames, enlevez vos talons si vous avez des talons. Ça, par contre, c'est important que vous soyez à plat sur le sol.
Alors, c'est un exercice que je propose à faire tous les matins. Je l'ai concocté en empruntant beaucoup de choses à énormément de pratiques que j'ai pu faire, que ce soit du yoga, du tai chi, du kiryu, etc., qui permet effectivement voilà, de réveiller en fait notre énergie, de la rassembler en même temps et d'être de fait dans une disponibilité et une concentration en même temps de tout notre être par rapport à ce qu'on va faire après. Alors c'est valable évidemment pour vos vies, à vous. Moi, je la pratique tous les matins. Première des choses que nous faisons, nous frottons nos mains l'une contre l'autre. Hein. C'est une façon d'augmenter l'énergie dans les mains. Et comme on imagine, il est 18h30, mais on imagine qu'il est 7h du matin, et on se dit bonjour. Et là, on masse, vous voyez, avec nos mains comme ça, d'une partie de notre front à l'autre. Hein. On va d'un côté, du côté droit au côté gauche, et en fait, on dit bonjour à notre front. On va descendre sur notre visage, on en profite pour pincer la ligne de nos sourcils. Il y a des méridiens d'acupuncture qui passent à ces endroits-là, c'est une façon de les stimuler. Ensuite, on s'émerveille d'avoir des yeux. Et donc, appuyez légèrement sur vos yeux, sans trop appuyer bien sûr, hein, il ne s'agit pas de faire une syncope, mais vous appuyez légèrement et vous vous dites c'est merveilleux, je vais pouvoir regarder les choses. À partir de ce moment-là, je vais remettre mes lunettes simplement pour voir ce que vous voyez de moi. Ensuite, vous pouvez masser le côté là, des ailes du nez, l'arête du nez, en vous disant la même chose, c'est merveilleux, je vais pouvoir sentir plein de choses. Ensuite, on fait la même chose avec la bouche et vous pouvez bouger vos lèvres, vous avez même le droit de faire des grimaces, l'avantage en plus dans cette vidéo, alors moi je ne peux pas trop vous en faire, mais vous pouvez en faire puisque je ne vous vois pas, je vois Mehdi par contre s'il fait des grimaces, je pourrais le voir. Mais donc voilà, n'ayez pas hésité à bouger vos lèvres, à bâiller si vous en avez envie, à l'ouvrir. C'est vraiment, voilà, j'ai en plus de mes yeux, de mon nez, j'ai une bouche. Ensuite, on masse les joues. Hein, ça, c'est important. Notamment, les deux espaces qui sont devant nos oreilles, entre l'oreille et la joue. Hein, là, il y a des espaces dont je vous parlerai aussi peut-être un peu tout à l'heure à propos de l'auriculothérapie. C'est quelque chose d'assez fantastique, ça. Et puis, on a des oreilles. Alors, je vais déposer mes boucles d'oreilles, d'ailleurs, que j'ai mis simplement pour faire joli. Et vous pouvez masser vos oreilles. Alors, masser vos oreilles, je suis auriculothérapeute, c'est un de mes jobs. Donc, je vous invite vraiment à faire des petites pressions partout sur vos oreilles, notamment sur les endroits où vous sentez qu'il y a un petit peu de cartilage. Et si un point vous fait mal, eh bien, vous faites comme les Shadok, vous pompez. Hein. Vous pompez parce que vous allez en fait envoyer un message au niveau cérébral et ça va créer un circuit de guérison au niveau de l'organe ou la vertèbre qui est peut-être un petit peu coincée ou serrée ou en difficulté. Voilà, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'aller tout en haut également de nos oreilles. C'est le point par lequel on peut tester si on est allergique. Alors, une fois qu'on a fini avec le visage, on refait le brushing, c'est-à-dire qu'en fait, on masse avec nos doigts, on masse le crâne. Là aussi, il y a des méridiens qui passent. Alors, on se décoiffe un petit peu, hein, mais c'est pas grave, on se recoiffe après, voilà, hein, voilà. Mais si pareil, si vous sentez des douleurs en passant vos doigts sur votre crâne, insistez un petit peu. Vous êtes en train de faire de l'automassage et en même temps d'amener des guérisons sur des choses qui ne marchent pas forcément très bien. Ensuite, on va éveiller nos cervicales. Alors là, on y va doucement. Hein. Je vais me mettre peut-être un peu comme ça de côté que vous puissiez me voir. Vous voyez, on tapote comme ça sur les cervicales. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont fragiles, nos cervicales. On peut aussi mettre nos mains comme ça, mais on y va vraiment en douceur, hein, avec donc les deux mains. Ensuite, on va réveiller les méridiens de nos bras. J'enlève mon foulard pour que ce soit plus facile. Et je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir l'exercice qui est à faire. Alors vous laissez votre bras face à vous. Moi, je le mets un petit peu de côté, mais c'est pour que vous puissiez voir le mouvement que je vous propose. On prend la main droite, on part du petit doigt du bras gauche et on monte en inspirant jusqu'à l'épaule. Ensuite, la main s'ouvre et on masse comme ça l'avant de l'avant-bras, comme ça, et du bras, et on va jusqu'à la main, en soufflant dans l'idée,
je vous rappelle qu'on le fait le matin, que nous chassons les miasmes de la nuit. Je vous le remontre une fois. Inspire, on va jusqu'à l'épaule, on tourne le bras. Je souffle et voilà. Et nous le faisons une troisième fois. Hein, on fait trois fois systématiquement. Et bien entendu, nous faisons le côté droit. Inspire, expire, inspire, expire. Je vais essayer de me mettre debout parce que vous allez voir un petit peu ce qui se passe vers le bas du corps. On n'a pas besoin d'avoir un grand espace. Il y a juste une chose que nous allons faire à un moment, on va se pencher en avant. Je me mettrai pour ma part, je n'ai pas non plus un grand recul de là où je suis, je me mettrai de profil pour vous montrer. On a donc réveillé les méridiens des deux avant-bras, des deux bras, et nous allons nous centrer. Alors je vous propose, alors voyez, moi j'arrive un petit peu évidemment à plier mon doigt d'une manière particulière, ça c'est grâce au mudra, hein. Et en fait on centre son énergie. Donc on part de la base du cou en passant sur le point du bonheur, ça vaut le coup quand même de ne pas l'oublier celui-là, hein. Et on descend le long de cette verticale jusque pratiquement en dessous de votre nombril, hein, on fait ça plusieurs fois. Ensuite, le but, c'est d'aller réveiller les côtes qui sont latérales. Alors, on a bien une seule côte hein, qui part du sternum pour aller vers le... Mais quand je dis côte latérale, pour ceux qui ont fait du yoga, vous savez qu'en général, effectivement, on respire beaucoup avec le haut ou alors avec le ventre, mais on oublie de respirer avec le côté hein, de notre thorax. Et le but, voilà, c'est de masser. D'ailleurs, si ça vous fait un petit peu mal, eh bien, c'est parce que vous n'utilisez pas assez ces espaces-là qui sont importants pour que toute votre cage thoracique soit déployée. Quand on a fini ce massage, on passe dans la taille. J'essaye de me mettre en surveillant. Voilà, on est dans la taille. Vous allez taper fort dans votre taille, pas sur votre colonne vertébrale, bien entendu. Hein. On tape ici. En fait, pendant que nous faisons cela, nous réveillons l'énergie du rein, et donc cette énergie du rein qui nous permet de matérialiser les choses, de passer à l'acte quand nous avons des idées. Si notre énergie rein n'est pas bonne, eh bien nous serons en déficit dans cette action. On va laisser le mental beaucoup s'agiter et on va oublier d'agir. Alors là, je me mets un peu en verticale. Je vais disparaître à un moment de l'écran, vous inquiétez pas, je reviens. C'est parce que je vais descendre à l'arrière de mes jambes. Hein. Je descends. Et comme je suis assez souple, parce que j'ai fait de la danse, je vais jusqu'en bas, voilà, je reviens. Et je reviens, alors on descend toujours en soufflant, bien sûr, jusqu'en bas. Surtout si vous ne pouvez pas aller toucher vos pieds, vous ne forcez rien. Hein. Ce n'est absolument pas le but de vous démonter la colonne vertébrale ou quoi que ce soit. Donc vous descendez en soufflant bien et en douceur. Et quand vous remontez à l'intérieur de vos jambes, en mettant, je vais essayer de vous faire une simulation avec mon bras. Vous voyez, voilà, ça c'est à l'intérieur de vos jambes. Vous faites comme ça en appuyant en fait. Hein. On descend comme ça et on remonte, voilà, en appuyant. Et ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez, encore une fois, réveiller tous les méridiens d'acupuncture. C'est aussi un des outils thérapeutiques et diagnostiques que j'utilise, qui est absolument extraordinaire et qui permet effectivement, voilà, de réveiller ces méridiens. Donc, je vous invite à le faire en descendant, encore une fois, en soufflant, remontant en inspire, vous redescendez, vous remontez, vous le faites trois fois. Et quand vous avez fini, eh bien, parce qu'il est important aussi, lui, vous massez un petit peu votre ventre, hein, là où il y a le nombril, hein, qui est très important, c'est un endroit assez étonnant du corps. Et quand vous avez terminé ça, vous lâchez bien vos épaules, vous restez debout et vous allez sentir comment vous êtes ancré dans le sol. Le but étant donc de poser, je vais le faire en imitant mon pied avec ma main, c'est particulier, mais voilà, l'idée c'est bien de poser le talon, hein, vous imaginez, ça c'est mon pied, hein. Vous posez bien vos talons au sol et vous posez bien l'avant-pied en même temps, hein. L'avant, le talon, et vous essayez de vérifier que vous n'êtes pas trop en avant, avec les talons pas assez appuyés, qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes défend la bise et vous allez trop vite. Hein. La précipitation ne génère jamais de bons actes. Et éventuellement, inversement, trop sur vos talons. Et là, la vie vous invite à y aller et vous avez du mal, effectivement, à y aller. Donc, bien en équilibre, talon, avant-pied, talon. Et là, on arrive à la fin de l'exercice. Il est important que vous posiez, je vous en donne la comparaison, mais c'est au niveau de vos pieds,
la partie extérieure de vos pieds. Et voilà, je vais le faire avec vous. Donc, talon, avant-pied, avant-pied, talon, pour bien se sentir calé au sol. Les genoux étant souples. Hein. Surtout, ne vous mettez pas en raideur au niveau de vos genoux parce que l'énergie ne pourra pas circuler. Hein. Et donc là, vous posez les deux parties externes au sol. Donc, on a trois appuis, talon, avant-pied et l'arche du pied. Ça déclenche, voilà, ça déclenche immanquablement un bâillement. Si vous n'avez pas bâillé, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il s'agira que vous le recommenciez pour vous exercer. Hein. Voilà, je tenais vraiment à démarrer cet entretien par cet exercice, encore une fois, pour rassembler nos énergies, rassembler, ne pas être que dans notre tête, ne pas être que dans nos tripes, hein, dans nos réactions, et vraiment relier toutes les parties de notre corps, le haut et le bas, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà, hein, ça c'est quelque chose qui pour moi est toujours très important. J'en ai parlé avec Mehdi, si vous souhaitiez que je vous envoie le texte avec toutes les petites étapes de cet exercice, il a été mis sur papier, je pourrai le transférer à Mehdi et si d'aucuns de vous le souhaitent, eh bien, on pourra vous l'envoyer. Je disais à Mehdi que Patrick Vivré, dont je parlais tout à l'heure, qui a donc créé Dialogue en Humanité, a fait cet exercice un jour à l'ONU et c'était assez génial. Il leur a dit, écoutez, on a assez parlé, maintenant, allez, on se lève et on fait la douche washée. Alors, je pense qu'ils n'ont pas entendu mon nom, bien sûr, ils ont entendu « wash ». Ils se sont dit, ça y est, on va se laver. Et voilà, c'est un nettoyage énergétique. Voilà, on va dire ça. Alors, si vous avez d'ailleurs, voyez, par exemple, une décision importante à prendre, eh bien, ça prend, là, on l'a détaillé ensemble, mais si on l'a fait comme ça dans le suivi, ça prend un peu plus d'une minute et demie. C'est très rapide et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je reparlerai de cette zone-là, éventuellement, qui réunit en plus notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Donc, c'est quand même quelque chose de fabuleux pour arriver à prendre des décisions centrées. Avant d'aller plus loin, je voudrais exposer trois points particuliers parce que ça me semble vraiment important. La première des choses, ça se fait en France quand un médecin prend la parole dans l'espace public, il est obligé de déclarer ses conflits d'intérêts. Et donc, je me présente en disant que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Tout à l'heure, je souriais toute seule parce que je me disais, ah si, j'ai reçu une boîte de chocolat, je crois, à Noël, que j'ai redonnée d'ailleurs, pas parce que la personne ne me convenait pas, mais parce que voilà, c'était pour moi important de partager. Mais je n'ai pas de conflit d'intérêts avec les laboratoires. Voilà, ça c'est une chose qui est pour moi très importante. La deuxième chose, c'est que je parle en mon nom propre. Hein. Je suis installée en libérale. Je suis inscrite, bien sûr, au Conseil de l'Ordre des médecins. C'est obligatoire en France pour pouvoir exercer. Mais je ne parle pas au nom ni d'un hôpital, ni d'une structure de quelconque. Et la troisième chose qui est importante, c'est qu'il est sorti un décret le 22 décembre de l'année dernière à l'Assemblée nationale qui nous oblige, nous les médecins, quand nous prenons la parole, à avoir un devoir de réserve extrêmement précis et de ne pas parler de choses qui ne sont pas vérifiées scientifiquement et qui ne sont pas dans l'intérêt général. Alors, je vous dis ça parce que c'est important que vous puissiez comprendre peut-être pourquoi je ne pourrais pas répondre à certaines questions, mais aussi comment je vais diriger mon exposé pour vous. Le titre de l'exposé, c'est « Médecine alternative ». Quand Ali S.R. Rouchnine m'a fait la proposition, il n'avait pas beaucoup de temps, moi non plus, on a calé juste la date, et je n'ai pas repris le mot. Et pourtant, j'allais dire, ça va démarrer très fort, je vais vous dire qu'en fait, il n'y a pas de médecine alternative. Il n'y a pas de médecine alternative parce que dans alternative, il y a autre. Et pour moi, dans mon parcours, dans mon expérience de médecin, et même si j'ai un CV un peu long, je parle ici surtout grâce et par mon expérience que j'ai acquise pendant tout ce temps, à la fois de mon exercice médical, mais également de ma vie personnelle. Eh bien, effectivement, dire autre, c'est séparer, c'est mettre à côté. Et en fait, pour moi, et surtout par rapport à mon parcours, Mehdi vous a donné tout à l'heure quelques informations, on le reballera peut-être ensemble tout à l'heure, il est évident que pour moi, l'être humain est une globalité.
est une globalité et que parler de médecine douce, parallèle, alternative, c'est déjà s'adresser à l'humain de façon morcelée. Et ça, c'est quelque chose que je cherche vraiment à éviter complètement. J'ai malgré tout gardé ce fameux mot de médecine non conventionnelle parce que c'est comme cela que les médecines qui ne sont pas dites allopathiques, c'est-à-dire classiques, sont considérées et appelées à Bruxelles. Je vais vous montrer là un petit... j'ai gardé le terme de médecine alternative parce que je me suis dit, en fait, c'est un tremplin génial pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Il y a une globalité et le but, c'est effectivement d'avoir une médecine, une globale entière qui réponde à des êtres humains également dans une globalité profonde de ce qu'est leur entité. Alors, je vous montre un petit dessin. Il y a derrière moi, vous l'apercevez peut-être ici, un poster que je vais laisser coller sur mon mur, que vous ne verrez pas beaucoup, mais parce que d'abord, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet et que mon éditeur m'a demandé évidemment de ne pas trop dévoiler évidemment tout de suite les choses. Ceci étant, je vous montre comment je vois personnellement un être humain dans ce que j'appelle sa quadripartition. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner la définition de la santé par l'OMS. Ça me semble assez important. C'est un état de complet bien-être. Et vous voyez, ce mot de complet est extrêmement intéressant dans la définition de l'OMS. Complet bien-être physique, mental et social. Et cela... non seulement qui ne consiste pas dans la dépendance ou d'une maladie ou d'une infirmité. Hein. Donc c'est quelque chose de très important que même l'OMS nous propose. Je vous remontre et après vous allez voir, on va faire un petit tour bien sûr dans différents outils thérapeutiques et diagnostiques ou diagnostiques et thérapeutiques, mais on va partir d'abord de cette quadripartition. Comme vous le voyez, c'est un cercle avec deux lignes, une verticale et une horizontale, et j'y tiens absolument parce que ça a son importance, je vais vous l'expliquer après. Nous avons donc ici ce que j'appelle le corps physique, celui qu'on nous enseigne essentiellement effectivement à la faculté de médecine. Hein. Personnellement, ici, moi, j'y ai mis les 7 piliers de la médecine chinoise, qui est une médecine que j'ai étudiée et qui est absolument extraordinaire. Je dis toujours que je ne quitterai pas cette terre avant d'avoir aidé à unifier encore plus justement la médecine et fait pénétrer cette médecine chinoise dans les études parce que vraiment, elle nous propose une vision de l'homme absolument extraordinaire. Si on a le temps, on ira un petit peu plus loin. Eux, ils ont donc 7 piliers. Juste à côté, vous avez le corps mental, social, sociétal, intellectuel. Voilà, hein, je le définis comme ça parce que vraiment, dire simplement corps mental, ça ne suffirait pas. Voilà, ça correspond évidemment à notre travail, à notre place dans la société, à comment nous nourrissons. Vous voyez, ce soir, nous partageons ensemble des connaissances. C'est une façon de nourrir ce corps mental aussi. Juste au-dessus du corps mental, vous avez le corps psychique, celui que j'appelle le corps de relation. C'est être en lien qui nous rend vivants. Ce corps psychique, il est fondamental. C'est la relation avec moi, avec l'autre, avec les autres, avec le monde. De l'autre côté, vous avez le corps que j'appelle spirituel ou d'une expression que j'ai piquée avec son autorisation à Patrick Vivray, qui est le corps de sagesse. Hein, il arrive, je suis aussi experte en bien-être en entreprise et quand je fais des conférences dans des entreprises, j'en fais peu mais j'en ai fait, parler de religion c'est très compliqué, vous savez nous en France on a une séparation hein, entre l'église et l'état, parler de spiritualité ça n'est pas toujours simple non plus, parler de corps de sagesse, ce mot-là tout le monde le comprend et tout le monde comprend aussi que peut-être dans cette quadripartition il y a l'idée d'aboutir précisément en prenant soin de chaque partie de notre être à une forme de sagesse, peut-être pour pouvoir un jour dire adieu à la vie d'ici pour aller peut-être dans une autre, c'est une de mes hypothèses, mais après chacun sa façon de voir les choses. Donc, vous voyez quatre parties, ces parties à un moment donné vont s'unir. Je vais vous les détailler un petit peu pour que vous compreniez pourquoi après, dans ce que je vais vous raconter, ça vous permettra de peut-être de les mettre dans des cases différentes en fonction de ce que je vais développer.
Je vais utiliser pour définir un petit peu cette quadripartition. Et si ça vous va, je vais garder ça à côté. Comme ça, en même temps, je peux vous montrer où je suis. Et ça vous permet, si vous en avez envie, de prendre des notes. Ça, évidemment, que vous pouvez le faire. Le corps physique. Alors, on va pas redéployer tout. Si on passait notre temps à étudier les quatre cadrans, ce n'est pas trois quarts d'heure ou une heure et demie qu'on va passer ensemble, c'est 4 heures et puis peut-être c'est 4 mois. Donc, vous voyez, on va essayer de se limiter un petit peu. Alors, le but, c'est de vous donner le goût à la chose. Alors, je vais refaire un petit tour sur cette quadripartition avec des disciplines que j'ai étudiées, en tout cas auxquelles je me suis intéressée. Et par exemple, on va partir des éléments, des fameux quatre éléments qui constituent la vie, la terre. On va la mettre évidemment du côté du corps physique. L'air, on va le proposer du côté du corps mental. L'eau, du côté du corps psychique. Et puis le feu pour le corps spirituel ou de sagesse. Si je m'en vais du côté de la psychologie, je vais m'appuyer sur les quatre fonctions de Jung. Peut-être d'aucuns de vous ne connaissent pas ce monsieur qui était le premier élève de Freud. Ça, Freud, c'est un nom quand même qui est plus connu. Mais ce sont deux personnes absolument exceptionnelles, même si sur la fin de leur vie, ils n'étaient pas d'accord pour définir les choses. Freud essayant, dans le domaine de la psychologie, qu'il a ouvert de façon absolument fantastique, de donner des bases rationnelles, de sorte effectivement que la psychologie puisse être entendue, non pas comme quelque chose de à part précisément, mais de inclus à l'être humain. Donc, son élève Jung, qui a développé les choses un peu différemment, propose donc quatre fonctions. La fonction sensation, on va la mettre avec le corps physique. La fonction raison, on va la mettre avec le corps mental. La fonction sentiment, avec le corps psychique. Et la fonction intuition, avec le corps de sagesse. Si on s'en va du côté des philosophes, la philosophie devrait être enseignée à la maternelle. La philosophie, c'est nous aider à avoir différentes façons de voir les choses, et de les accueillir, de les analyser, et puis après, évidemment, d'agir par rapport à ce que nous apprenons. Je parlais de dromadaire tout à l'heure, et j'aime bien emprunter cette image qui est dans un film que j'aime beaucoup, avec Robin Williams, le cercle des poètes disparus, où il fait monter les élèves sur la table à un moment donné pour les aider à non pas avoir des points de vue sur les choses, mais une vue sur les points. Et quand on est sur les dromadaires, ça aide. Voilà, ça c'est la philosophie. Alors on va balayer la quadripartition avec les philosophes. Ici, on va retrouver Épicure dans le monde physique. L'épicurien, vous savez, souvent on fait référence à Épicure en disant c'est la façon de profiter des choses. Alors Épicure proposait bien entendu de profiter de toutes les choses, mais ce qu'il proposait surtout, c'était de replacer chaque instant présent dans l'infini. Ça, c'est quelque chose qui représente vraiment la pensée d'Épicure. Sur le plan mental, on va aller avec notre ami Aristote. Aristote, le fameux lycée d'Aristote, la loi des causes et des effets. Ça, c'est quelque chose qui a été très développé par Aristote sur un plan plus basique, on va dire, plus matériel. Là-haut, on se retrouve avec le corps psychique, avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Zénon. Ça s'écrit Xénon avec un X, c'est le portique de Zénon. On s'en va chez les stoïciens. Les stoïciens, on a l'habitude de penser que les stoïciens, c'est être stoïque. On a sorti cet adjectif du mot stoïcien. Ce n'est pas ça non plus que nous propose Zénon. Zénon nous propose de dire un grand oui à toutes les choses qui se proposent dans nos vies. C'est ça le stoïcisme, c'est accueillir l'ensemble, se positionner par rapport évidemment à ce qui m'arrive, c'est essayer d'enquêter sur qu'est-ce que je fais dans cette galère, comme disait mon grand ami Molière, et de pouvoir comprendre ce qui nous arrive, mais de ne pas s'opposer, pas de repousser, pas de rejeter, mais d'accueillir. Et puis, on se retrouve donc sur la quatrième partie, qui est la partie dite donc de sagesse. On va retrouver là l'académie de Platon, de Socrate, qui nous propose en fait de revenir à la beauté primordiale des choses. Dans nos vies, dans nos maladies, dans les choses qui nous arrivent, nous nous arrêtons.
arrêtons, nous nous crispons souvent hein, sur les choses et ça nous enlève effectivement cette largesse de vue, alors que si nous prenons le temps de nous relier à la beauté primordiale des choses, à ce qu'on appelle l'ontologique, hein, c'est-à-dire à l'avant de l'avant de l'avant, comme disait l'enfant, qu'est-ce qu'il y avait avant maman? Eh bien effectivement, il y avait encore de l'avant et on continue d'ailleurs dans toutes les sciences, notamment l'astrophysique, qui est un domaine qui me passionne, à essayer de retrouver les origines de notre vie sur cette planète. Hein. Voilà, petit tour avec les philosophes. Alors on va maintenant garder toujours le diagramme et puis partir dans quelque chose qui est à la fois nous, notre corps, et puis en même temps des lieux de vie communs hein, qu'on peut partager avec d'autres. Et là, on va se retrouver avec des activités qui peuvent être ici du côté du fort physique. J'aime beaucoup me caler aussi sur l'idée d'un fonctionnement, par exemple, d'un monastère. Hein, on l'a vu dans ce film magnifique qui s'appelle « Des hommes et des dieux » et où on retrouve effectivement le potager. Comment avoir une activité qui nous mette en lien avec la terre, avec vraiment ce qui nous amène l'énergie de la vie. Ici, on va se retrouver avec les études et l'importance des études, l'importance de notre nourriture mentale. Si nous passons notre temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire, hein, bien entendu, au contraire, il faut vraiment savoir faire ça. Mais par contre, l'origine, évidemment, de nos nourritures mentales, les conférences qu'on écoute, les films qu'on voit, les livres qu'on lit, etc., etc., vont nourrir hein, cet espace-là. Juste au-dessus, l'occupation serait d'être capable et en tout cas d'observer si nous sommes en situation, une capacité de fraternité ou de solidarité. On ne peut pas toujours être frère avec tout le monde, mais on peut être solidaire, je pense, vraiment, avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Et puis la quatrième partie qui est ici, qui est donc sur le plan du corps de sagesse, eh bien c'est, si on fait référence aussi à une communauté éventuellement spirituelle, c'est la louange, hein, ce sont les liturgies, les cérémonies, si on va chez les soufis, ce sont les danses hein, derviches, et si on ne va pas de jusque-là, eh bien simplement d'être capable de gratitude. Hein. Il y a une femme belge qui a écrit un livre sur la gratitude, je pense que si nous étions tous capables de nous lever le matin en disant merci d'être vivant, merci à la vie, de ce qu'elle nous propose d'apprendre au cœur des choses. Je vais enlever mon diagramme pour vous montrer les hommes de ma vie. Voilà, les hommes de ma vie sont là. Albert, je vous présente Albert, c'est Einstein qui disait une chose que j'adore, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Je n'ai pas encore de certitude absolue pour l'univers. Hein, vous voyez, voilà, ça c'est l'humour absolument génialissime d'Albert. Juste au-dessus, l'équivalent d'Albert dans notre siècle à nous, Stephen Hawking, hein, celui qui a vécu 55 ans avec la maladie de Charcot. Hein, vous voyez, là on est dans la médecine plein pot. Comment fait-on? Quel est son Nikigai? Hein, je ne sais pas si vous l'apercevez, il est là, c'est un mot japonais, c'est-à-dire sa mission de vie, le sens qu'il a donné à sa vie pour pouvoir vivre avec une maladie dont on meurt normalement au bout de 2 ans. Hein. J'espère qu'on a pris un peu de sérum de cet homme merveilleux. Il est décédé il y a 2 ans. Un autre homme, et c'est pour ça que je me tournais vers mes hommes, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela dont la vie est juste absolument exceptionnelle. Grand prix Nobel de la paix qui a vraiment fait un travail magnifique de réconciliation. Après avoir passé, vous le savez peut-être, 27 ans à casser des cailloux dans un bagne. Hein. Et donc être capable de rester droit dans ses bottes, il n'en avait pas, hein. Il faisait chaud là où il était. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vraiment dans sa verticalité, et comme il le disait, capitaine de mon âme, hein, ça veut dire qu'à aucun moment, et si je reprends mon graphique, vous voyez, à aucun moment, un des pieds de la table, hein, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais vous voyez cette quadripartition, pour moi, elle représente véritablement 4 pieds d'une table, nous en sommes le plateau, si dans nos journées, nous ne nous occupons pas des 4 pieds de notre table, eh bien, à un moment donné, évidemment, le plateau va pencher et ça va être un peu plus compliqué de garder notre équilibre. En médecine, on appelle ça notre homéostasie. Hein, c'est un mot un peu, voilà, j'en fais un peu chic. Hein, mais homéostasie, voilà, c'est l'équilibre biologique à l'intérieur de notre corps. Le dernier, alors Mandela, je m'arrête avec Nelson, parce que Nelson, justement, j'en parlais à l'instant, disait « je ne perds jamais ». Où je gagne, où j'apprends.
voyez, on se retrouve avec à la fois Zénon, à la fois avec ce corps de sagesse. Voilà, ne jamais considérer que nous pouvons perdre, mais que la vie, qui a beaucoup d'humour, qui est d'une générosité inouïe, mais qui n'est jamais complaisante, ça par contre il faut s'en souvenir, nous propose des tas d'exercices à faire pour effectivement nous retrouver dans notre globalité. Et puis Martin Luther, bien sûr, c'est ce grand homme aussi qui représente, qui a été prix Nobel de la paix également, et qui représente vraiment une chose magnifique. Il dit, vous voyez, c'est écrit là, « Il nous faut tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des imbéciles. » Hein, ça, c'est une phrase que je trouve absolument merveilleuse et qui représente les grands hommes de ma vie. Je vois que le temps passe vite, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour passer à peut-être un des premiers coups final de ce feu d'artifice qui est qu'est-ce que ça nous apporte finalement de nous occuper de notre corps, de nos quatre corps si je puis dire. Eh bien, le corps physique, quand j'apprends l'amadouer, c'est plus l'apprivoiser qui serait le bon mot, eh bien j'atteins une maturité qui me permet d'être capable de dépasser ou de traverser les manques. Hein. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est la maturité du corps physique, traverser les manques. J'anime également, dans mon travail, j'anime également des jeûnes et où nous cessons de nous nourrir. Enfin, c'est le jeûne de la méthode Buchinger. Donc, nous mangeons 250 calories par jour sous forme de 2 cuillères à café de miel, un petit jus à midi de pommes et de carottes et puis des bouillons de légumes le soir. Vous voyez, c'est quand même assez succinct, mais ça nous permet de traverser à la fois ce manque de nourriture avec cet étonnement que tous les jeûneurs ont. Comment se fait-il que j'ai une pêche pareille alors je ne mange pas et une lucidité pareille alors que je ne mange pas, hein. Bon, voilà, ça c'est la maturité physique. La maturité du corps mental, c'est d'être capable de discerner ce qui peut être permanent ou impermanent. Quand nous avons des décisions à prendre dans nos vies, c'est absolument capital d'être capable de perspective. Si nous ne faisons pas de la perspective, nous faisons du coup par coup et ça ne nous conduit pas très loin. En tout cas, on ne fera pas l'exploit de mon ami Stéphane Hawking. Donc, voyez, impermanent, permanent. Hein. En n'oubliant pas une chose, j'ai fait beaucoup de physique, en n'oubliant pas une chose, c'est que dans tout élément et dans nous aussi, il y a une partie matérielle de nous-mêmes et une partie informationnelle. La partie matérielle se délitera à un moment donné, hein, même si, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme, mais l'information, il faut savoir, c'est une longueur d'onde, elle n'est arrêtée ni par le temps, ni par l'espace. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Je ferme la parenthèse. Nous passons au quatrième corps qui est là. C'est, sur le plan psychique, ne plus faire dépendre notre bien-être des paroles, des actes, des regards, des personnes, des autres sur moi. C'est avoir atteint un tel degré de liberté intérieure qui n'est pas une fantaisie, qui n'est pas un égoïsme, qui est véritablement à la fois une ouverture vers le monde, mais un respect profond pour soi-même qui nous permet d'atteindre cette maturité. Et la dernière maturité, celle du corps de sagesse, c'est ne plus avoir besoin qu'on me félicite pour la grande personne très sage que je suis devenue. C'est-à-dire, je sais que de l'intérieur de moi-même, je me suis ajustée au vivant. Hein, voilà. Alors, tout ça demande une vie entière, hein, bien entendu. Hein. On fait pas ça en claquant dans les doigts. Les énergies qui nous permettent de nourrir ces corps, je vous les donne très vite. Je l'ai marqué d'ailleurs, mais peut-être que ça c'est quand même un peu compliqué à lire là. Hein. L'énergie de la vie qu'on va aller chercher dans la nature, l'énergie de la conscience qu'on va aller chercher donc dans nos apprentissages, l'énergie de l'amour qu'on va pouvoir amener dans notre corps psychique et l'énergie de la lumière sur le corps spirituel. Et tout ça pourquoi? Et ça c'est le but numéro un ici, c'est réussir à apprendre à me guérir et peut-être à guérir. Ici à comprendre, à me comprendre et à transmettre, ici à me pardonner et à pardonner, et ici à m'aimer et à aimer. Je suis obligée d'aller un petit peu vite, mais si vous prenez ces mots, vous verrez que sur chaque mot, on peut passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous avez vu, à chaque fois, j'ai dit « me guérir, me comprendre, me pardonner, m'aimer ». C'est-à-dire si je m'arrête à moi,
Ça va être vraiment un peuplement de cette planète, de monde égoïste. Mais si par contre je ne commence pas par moi, eh bien effectivement, il y aura une solidité dans le déploiement de mon être qui ne sera pas là. Et le dernier but, le deuxième, je dirais, et là voilà, ça c'est vraiment, vous savez, comme dans les feux d'artifice, là c'est l'apothéose, c'est effectivement faire monter ces énergies, les amener au centre. L'énergie de la vie, l'énergie de la conscience, l'énergie de l'amour, l'énergie de la lumière, les ramener au centre. Au centre, c'est dans mon plexus solaire. Et quand j'arrive à ramener ces énergies au niveau de mon plexus solaire, et ça peut évidemment, vous imaginez bien, quand on pratique du yoga, du tai chi, des tas d'outils qui nous font circuler l'énergie dans le corps, eh bien nous y arrivons évidemment d'autant mieux, en tout cas à le ressentir, hein, parce que là on est un peu dans le galopage intellectuel de la situation. Mais à ce moment-là, on le ramène au centre, et quand on le ramène au centre, on se retrouve à ce moment-là dans quelque chose d'immensément joyeux. Ça passe par moi. C'est pour ça que vous voyez, je laisse un espace vertical libre et horizontal libre, c'est-à-dire que ça passe par moi, je suis parfaitement acteur, mais en même temps, c'est au-delà de moi. Hein. Vraiment, on n'est pas là pour, encore une fois, je disais, on doit s'occuper de soi-même, hein, ça c'est fondamental. Mais si on s'arrête à ça, on reste dans ce qu'on appelle l'ego, hein, l'ego physique, l'ego intellectuel, l'ego psychique et l'ego spirituel. Alors que si effectivement on accepte que des énergies puissent nous traverser et que nous puissions, quand nous sommes au centre, les rayonner, alors effectivement, on est dans le rayonnement, on est dans ce que j'appelais, ce que Mehdi rappelait tout à l'heure, qui était une de mes grandes passions de la vie, c'est transmettre la joie, on est dans ce qu'on appelle l'accomplissement de l'être. Hein. Il y a une chose, souvent je commence mes conférences comme ça, et là je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vais le faire maintenant, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous mourir un jour. Hein. La bonne nouvelle, c'est que mourir n'est pas la fin de la vie d'ici, ça encore une fois j'en suis convaincue, et que cet accomplissement permet, et ça c'est une chose que je n'ai pas dite à Mehdi, mais dans mon parcours, je suis également accompagnante des mourants. Hein. Et il me semble qu'effectivement, si nous demandions à chaque fois que nous avons une décision à prendre, si je meurs dans une heure, si je meurs demain, tiens, quel choix je vais faire, eh bien, ça nous aide beaucoup. Mehdi, vous me donnez encore combien de secondes? Franchement, c'est tellement intéressant, j'ai pas envie d'interrompre. Alors, allez-y, on y va pour 10 petites minutes, ça vous va? Oui, bien sûr. Je pense que je devrais même peut-être, je vais essayer de ne pas les dépasser. Hein. Enfin, je vais essayer d'en faire peut-être moins, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vais juste vous donner, parce que je ne me suis pas présentée au-delà des mots que j'avais donnés à Mehdi pour qu'il me présente à vous. Mais dans mon parcours, vous allez comprendre un petit peu peut-être comment je suis arrivée à vous présenter l'être humain comme je le vois aujourd'hui. J'ai commencé mes études de médecine à l'encontre et en désobéissant à mon papa qui ne voyait pas du tout en moi un médecin mais une secrétaire dévouée ou une mère de famille accomplie. Et donc j'ai rencontré en première année un étudiant en cinquième année de médecine et qui a eu la gentillesse et un peu d'amour pour moi aussi, je sais, de m'emmener dans toutes ses gardes. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup plus de temps dans les urgences en fait, au bloc opératoire, dans les urgences, sur les autoroutes, faire du SMUR, du SAMU. Et j'ai été confrontée très vite à la chose difficile en médecine. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai en préparation qui est justement de parler de la mort aux médecins, puisqu'il n'y a pas d'enseignement sur la mort dans le monde médical. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui nous manque terriblement. Donc voilà, cet homme m'a appris beaucoup de choses, m'a appris les gestes techniques, évidemment, sauver la vie. Vous imaginez, quand on démarre en médecine, qu'on a des tonnes de trucs à apprendre, être sur le terrain, c'est quelque chose d'assez fantastique. Bon, ça m'a fait redoubler ma première année, parce que j'étais plus sur le terrain, évidemment, que dans mes bouquins. Enfin, bon, voilà, on ne peut pas être partout en même temps. Et cet homme m'a appris donc les gestes techniques, il m'a appris également le travail en équipe. Hein. À HEM, on parle de management et effectivement, le travail en équipe, c'est quelque chose de très, très important. Et à respecter tous les éléments qui font partie du travail en équipe. On a tendance un peu à voir évidemment ceux qui dirigent les choses et puis un peu en bas de l'échelle, la base. Je ne vois pas du tout mon métier de cette façon et je ne l'ai jamais vu comme ça quand je travaillais.
Dans ce travail du SAMU, j'ai rapidement été interpellée par la problématique de la douleur, qui est peut-être quelque chose sur lequel vous aurez des questions à poser. La douleur, à l'époque, on est dans les années 80, et je vous avoue que tout le monde s'en moque éperdument. Je vais tâcher de rester élégante dans mes propos. J'ai beaucoup travaillé avec les pompiers, et donc parfois j'ai un langage de pompière. Et donc, la douleur, c'est quelque chose dont tout le monde se moquait. Ils devaient être contents qu'on les ait opérés, qu'on leur ait sauvé la vie, voilà. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on était déjà pas assez nombreux et assez fatigués. Mais moi, je ne supportais pas. Et quand je travaillais sur l'autoroute, vous imaginez bien quand un patient était incarcéré dans sa voiture et que je ne pouvais que passer en passant par le haillon arrière éventuellement de la voiture, aller lui mettre une main sur l'épaule ou alors à la limite un masque à oxygène pour lui insuffler autant d'oxygène que d'espérance. En même temps, je ne pouvais pas calmer sa douleur parce que je n'avais pas le droit de les endormir puisqu'il me fallait garder leur vigilance. Et c'est comme ça que, en fait, la vie, encore une fois, qui a beaucoup d'humour, m'a fait rencontrer sur les pistes de ski, comme quoi vraiment le monde est subtil. Mais voilà, j'attendais une benne de ski qui n'arrivait pas à la station de Courchevel et je racontais mes exploits à mes copains qui adoraient que je leur raconte toutes les histoires qui se terminaient évidemment bien, mais qui étaient parfois effectivement assez étonnantes. Et il y a un monsieur derrière moi qui m'a dit « Mais madame, il y a d'autres manières de pratiquer la médecine ». Je vous avoue que je l'ai très mal pris sur l'instant. Je me suis retournée, je lui ai demandé si je lui avais demandé l'heure. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. La benne n'arrivait toujours pas et moi, je n'arrivais plus à raconter mes trucs. Et il a sorti une carte de sa combinaison de ski. Il était auriculothérapeute et il m'a dit « Si vous avez envie, venez m'écouter. Dans 8 jours, je fais une conférence à la fac de médecine de l'Odéon. Si vous avez envie, venez m'écouter. » Je lui ai arraché la carte des mains, je l'ai mise dans ma combinaison de ski. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai nettoyé la combinaison de ski, j'ai fait les poches, je suis tombée sur cette carte et il se trouve qu'une de nos amies nouvelles dans notre groupe de skieurs venait de se faire opérer d'une problématique d'un cancer du sein avec ce qu'on appelle un lymphœdème, c'est-à-dire un gros bras, et que c'est quelqu'un, m'a-t-elle dit dans le dîner, qui lui avait mis une aiguille dans l'oreille et qui lui avait guéri son lymphœdème. Et là, je me suis dit, mais là, c'est un harcèlement, quoi. Ça fait 2 fois dans la journée, on me parle d'auriculothérapie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je suis allée écouter cet homme. Et effectivement, là, c'est là que j'ai fait un grand plongeon. Parce qu'il a assez vite compris qu'effectivement, il avait envie de m'inviter à travailler dans son cabinet médical à Drancy, à côté de Paris. Et en fait, il m'a proposé de rencontrer directement Paul Nogier. Et je suis allée travailler avec Paul Nogier à Lyon, puisque son cabinet était à Lyon. Et je me suis inscrite à ce moment-là au groupe lyonnais des études médicales, qui existe toujours, et qui balaye toutes les fameuses médecines dont on pourrait parler en les considérant comme non conventionnelles, que sont l'acupuncture, l'homéopathie, la vertébrothérapie, l'ostéopathie, l'hypnose, la sophrologie, le mézière, les huiles essentielles, etc., etc. La liste est très, très, très longue. Et donc, vous n'avez pas du tout envie ce soir de vous faire un catalogue, vous voyez, en vous disant ça sert à quoi, parce que d'abord, en 3 quarts d'heure, je ne pouvais pas le faire. Merci, Mehdi, de me donner un petit temps supplémentaire. Voilà, j'ai fait un grand plongeon parce que je sentais, et aujourd'hui je me sers beaucoup de l'auriculothérapie, qui est une somatotopie réflexe. Et vous voyez, j'ai pris un petit bouquin, voilà, je vous le montre, qui est un livre de Paul Nogier justement, où on voit l'oreille, et vous voyez dans l'oreille, on voit également le petit être qui est dans l'utérus de sa maman, et qui en fait représente le corps humain au niveau de l'oreille. On trouve une somatotopie identique au niveau des pieds, mais on ne peut pas faire les diagnostics de la même façon parce qu'à l'oreille, on retrouve les 3 tissus embryologiques qui nous permettent, quand on appuie sur des points particuliers, selon cette cartographie, hein, j'ai dit somatotopie, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot-là, c'est une cartographie en réalité qui permet de savoir que là, on retrouve bien les lombaires, ici, ce que je disais tout à l'heure, nos hémisphères qui permettent de les faire communiquer les uns avec les autres. Donc j'ai plongé, voilà, je n'ai pas étudié, vous imaginez bien, toutes ces disciplines, mais par contre, je les ai toutes rencontrées, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je travaille toute seule dans mon cabinet médical, et qui est parfois un peu frustrant pour moi de ne plus travailler en équipe comme à l'hôpital, eh bien, j'ai des équipes où quand je sens que l'énergie est coincée et que mon acupuncture ne va pas suffire, eh bien, je vais passer la main
à quelqu'un, un ostéopathe par exemple. Pour ceux qui aiment lire, je prescris beaucoup de livres dans mes ordonnances, il y a un peu plus de livres que de médicaments. Mais vous voyez, voilà, ça s'appelle « Va comme le vent », c'est un livre qui est écrit pour les enfants, mais on est tous des enfants inachevés, hein, bien entendu. C'est aux éditions Elor, Va comme le vent, et on voit un jeune, vous voyez, ça se passe en Mongolie, il se prend une balle dans l'épaule dans un conflit avec une autre tribu, et l'acupuncteur essaye de le sauver et il n'y arrive pas. Et il va faire appel en fait à un chirurgien qu'il appelle le boucher, c'est vous dire si pour lui le chirurgien c'était franchement pas quelqu'un qu'il avait envie de respecter. Et il s'aperçoit qu'effectivement une fois qu'on a enlevé la balle de l'épaule, eh bien la guérison, l'énergie repart parce que cet enfant était en train de mourir. Et puis en fait, l'infection ne se tarit pas néanmoins et ils vont faire appel à ce moment-là à on dirait aujourd'hui, un herboriste ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe des plantes et c'est une guérisseuse qui va apporter un lichen qui va être effectivement le produit qui va sauver. Vous voyez, j'ai adoré ce livre et d'ailleurs je vais demander à... Je soigne pas mal de monde dans le monde du cinéma et j'ai l'intention de demander à des scénaristes d'écrire un scénario et de faire en sorte que ça devienne un film parce que c'est une manière de voir que nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne sommes pas justement en complémentarité et en solidarité. Je jump, fais des remplacements aussi en médecine de campagne parce que je veux voir comment ça se passe. Je soutiens ma thèse parce que je ne peux pas ne pas la soutenir, il y a une date limite. Et puis je travaille en psychosomatique avec le professeur Sami Ali qui m'apprend le lien entre le soma et le psychisme et qui m'ouvre de nouveau. C'est à chaque fois, vous savez, la déchirure des voiles comme dans le temple d'Éleusis où il y a 12 voiles hein, chez les Grecs et à chaque fois il y a des voiles comme ça qui s'ouvrent. Je travaille très longuement avec Marcel-Victor Loquin à l'UNESCO qui mentionne la transdisciplinarité des outils logico-mathématiques que je ne vais pas développer maintenant. Je suis académicienne, je l'oublie régulièrement, il m'a fait rentrer dans son académie francophone d'ingénieurs, alors que je ne suis pas ingénieure, c'est au sein de l'UNESCO, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait de la physique quantique, il y en a qui partent se faire bronzer le week-end, moi je partais faire de la physique quantique avec Marcel. J'avais travaillé à l'OCDE, il m'a appris aussi des choses absolument incroyable. Et puis un homme que je voudrais saluer ici avant de m'arrêter et de vous laisser la place, c'est Jean-Yves Leloup qui est un triple docteur puisqu'il est docteur en théologie, en philosophie et en psychologie et que cet homme m'a aidé précisément à faire le lien, vous voyez, entre le spirituel et le matériel, entre ces deux mondes qui ne doivent ni s'opposer, mais se parler et s'accompagner mutuellement. Grâce à Jean-Yves, j'ai étudié toutes les religions du monde et je me suis retrouvée un jour chez les bouddhistes à Dharamsala. Et à Dharamsala, j'ai pu passer un mois avec le maître du Dalai Lama, avec Trungpa Rinpoche, et qui m'a beaucoup enseigné justement sur comment les bouddhistes voient les choses qui leur arrivent et il en est arrivé de difficile. Et notamment, je disais, la mort qui fait de moi aussi aujourd'hui donc une accompagnante des mourants. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais terminer par une petite phrase. J'aime bien commencer par les petites phrases. J'aime bien terminer par les petites phrases. Deux petites phrases. Une, c'est une phrase d'un moine qui dit « Pour rester en bonne santé, ne te quitte jamais. » Ça, c'est une phrase que je trouve absolument géniale. Sur les quatre cadrans, vous vous souvenez. Gardez dans toutes vos exigences la bienveillance. Ça, c'est absolument fondamental. Sinon, vous érigerez des vérités. Et j'aime bien dire que la vérité sans la bienveillance, c'est de la violence. Voilà. J'aurais des milliards d'autres choses, évidemment, à vous dire. Mais peut-être que vous allez m'en donner l'occasion en me posant des questions. Je vous remercie vraiment. Je remercie tous ceux qui sont là parce que j'ai remercié tout à l'heure Ali, Mehdi, Majid. J'ai oublié de vous remercier, pardon, vous, tout le public qui êtes là, attentif. Peut-être que vous êtes toujours là et je l'espère. Et je vous remercie vraiment de votre attention. À vous, Mehdi. Merci beaucoup, Madame Moichet, de nous avoir ouvert les yeux sur ce sujet qui est complètement fou. Alors, on a le chat qui est vraiment en feu depuis tout à l'heure. On vous pose des milliards de questions. On vous remercie. On trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, comme j'aime dire, c'est vraiment ouvrir nos yeux sur quelque chose
prendre du recul, pour mieux reprendre de l'élan sur notre vie. Et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup. On aurait aimé vous avoir des heures et des heures pour vraiment décortiquer le sujet un petit peu plus. Alors, comme vous avez dit, je pense qu'on va bifurquer vers d'autres aspects de la médecine alternative à travers les questions. Alors, il y en a plein. Donc, je vais vous en poser quelques-uns. On fera des vagues. Donc, ça vous va comme ça? Impeccable. Ok, super. Alors, commençons. Alors, comment expliquez-vous le fait que la médecine alternative est souvent le dernier recours, lorsqu'on ne trouve pas la guérison avec la médecine conventionnelle? Ça, je pense que c'est une question qui est importante. Quel livre recommandez-vous pour améliorer notre vie, à la fois au niveau psychique et mental? Alors, une autre question, nous musulmans qui pratiquons le jeûne une fois par an et qu'on coupe la nourriture ainsi que, bon, c'est religieux à côté, mais physiquement on coupe aussi de la nourriture et tout ce qui est boisson, tout ça. Est-ce que c'est conforme à la médecine alternative? Est-ce qu'on peut voir présenter ça comme étant de la médecine alternative? Et je vais poser une dernière question. Comment la médecine alternative peut remédier à des effets néfastes ou accomplir la mission de la médecine conventionnelle? Donc là, ça reprend un petit peu la première question. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête là ou si je rajoute une autre. Oui, on s'arrête là peut-être, parce qu'effectivement, okay. Comme vous avez vu, le chiffre 4 dans ma vie a de l'importance. voilà, parce qu'effectivement, je vais essayer. Alors, les livres, il faut que je vous avoue une chose, je lis personnellement 2 heures par jour, tous les jours. Je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas lu. Donc, si je vous fais une liste des livres que j'ai chez moi, on ouvre 3 librairies. Hein, donc, je vais essayer peut-être, j'en ai mis à côté de moi. Et donc, ça va nous permettre peut-être, voilà, j'en ai quelques-uns, je vais vous les présenter. Mais je reviens à cette question qui est fondamentale et qui revient effectivement entre la première et la quatrième question. Et qui fait que je vais reposer à nouveau, effectivement, cette problématique de l'alternative. Je crois que ce qui me semble vraiment important, et c'est la raison pour laquelle je milite pratiquement, je peux dire ça, j'assume totalement mon âge, j'ai 66 ans aujourd'hui, je devrais prendre ma retraite le 1er juillet, le mot retraite, je l'ai enlevé de mon dictionnaire de vie, je ne prendrai jamais ma retraite. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est défini. Pourquoi ? Parce que je souhaite, comme je vous le disais tout à l'heure, faire rentrer ces regards médicaux qui sont effectivement un peu différents que celui qui consiste à ne s'occuper que du corps physique dans le cursus des études médicales. Pour moi, ça c'est quelque chose, c'est une véritable révolution, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Alors je ne suis pas la seule, heureusement, à m'occuper de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé le mot de médecine intégrative. Si vous voulez éventuellement aller chercher, vous qui êtes doué et qui ne faites pas exploser les ordinateurs comme moi, n'hésitez pas, vous tapez médecine intégrative et vous trouverez plein de pistes pour vous enrichir sur ce que ça peut représenter. Mais évidemment, moi je suis maintenant dans un exercice où une de mes consultations ne dure pas 12 minutes, ce qui est le temps imparti par la Sécurité sociale en France. Hein. 12 minutes entre le se dire bonjour, se dire au revoir, se déshabiller, payer son truc et laisser le médecin écrire, je ne sais pas ce qu'on arrive à faire dans ce temps-là, sauf effectivement dans des cas extrêmement simples. Mais pour moi, effectivement, une consultation, c'est un temps d'écoute absolument fondamental. Et vous voyez, par exemple, là, on est en train de profiter quand même les uns des autres, même si, encore une fois, je suis très, très frustrée de ne pas vous voir et de ne pas être baignée, vous voyez, dans l'énergie d'un amphithéâtre. Grâce à la technique et grâce à tout ça, nous sommes ensemble. La télémédecine, c'est de ça dont je voulais parler, est quelque chose qui peut dépanner, mais qui pour moi ne remplacera jamais effectivement un acte médical complet. Et j'ai réussi, je suis très très fière, et vous allez comprendre pourquoi, à faire rentrer, j'ai
assailli le Conseil de l'Ordre des médecins en la personne d'un président qui était exceptionnel et qui disait « Elle est tellement têtue que quand elle téléphone, vous lui donnez un rendez-vous parce que de toute façon, elle ne nous lâchera pas. » Et grâce à ma ténacité, voire ma pugnacité, c'est lui qui m'a appris d'ailleurs ce mot, eh bien, j'ai fait rentrer les cursus des sciences humaines dans le cursus des études médicales. C'est quelque chose que la science occidentale connaît très très mal, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et d'ailleurs, voilà, vous me permettez de dire quelque chose auquel je tiens beaucoup. L'étymologie du mot de médecine en indo-européen, qu'on devrait dire d'ailleurs plutôt eurasien, eh bien, c'est med, c'est méthode et ordre. Et sur un plan plus soft, c'est également la même étymologie pour le mot méditer, pour le mot modeler, pour le mot modérer. Et vous voyez, on se retrouve avec deux polarités. La polarité dite des sciences dures, qui s'appuie sur les mathématiques et la physique, la polarité des sciences dites molles, le mot franchement, là, ils auraient pu se travailler un peu les neurones, parce que franchement, c'est très très moche, mais qui fait que là, on s'appuie sur ce qui est la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, etc. Et pour moi, l'important, c'est de pouvoir réunir les deux. Alors, comment faire, effectivement, quand vous avez une urgence médicale, vous allez voir le médecin qui est disponible et qui va vous donner, si c'est nécessaire, et j'en prescris aussi, bien sûr, des médications allopathiques pour régler le problème en urgence. Mais il est important que vous trouviez, et peut-être que ce soit à vous d'élargir à ce moment-là, comme moi je vous disais tout à l'heure, j'ai des acolytes qui sont donc dans l'ostéopathie, les huiles essentielles, etc., même si je les pratique pas mal toute seule, d'aller chercher le pourquoi j'ai eu ce problème. Si vous avez un panari qui vous fait très mal, ça justifie que vous alliez aux urgences et qu'on vous opère peut-être de votre panari et qu'on vous donne des antibiotiques. Mais pourquoi vous avez fait un panari? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé dans votre microbiote, on l'appelle maintenant, c'est un mot dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire toute cette faune, on appelle ça la flore, mais enfin c'est une faune parce que ce sont des bactéries, cette faune intestinale, cette faune de bactéries qui nous habite et qui va stimuler notre immunité. Donc vous voyez, la médecine, peut-être pour moi avec un grand M, donc qui ne va pas chercher des choses autres, c'est une médecine qui s'appuie avant tout sur la connaissance de la globalité de l'être humain et sur la prévention, bien entendu, en particulier sur la stimulation de notre immunité. Voilà, est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de ce que vous m'avez exposé, Mehdi? Oui, il me semble que oui. Alors, moi, j'ai juste faire une petite parenthèse pour dire qu'on est plus de 800 personnes connectées en train de vous écouter. Donc voilà. Ouais. Et à côté de ça, donc mesdames et messieurs, je voulais juste vous rappeler que je vous ai envoyé le lien pour le pointage de votre présence sur le chat. Si vous voulez, je vais le renvoyer là tout de suite. Et aussi le premier séminaire avec Nadia Belnossi est disponible aussi sur notre page YouTube. Aussi pour l'exercice que nous a fait Madame Ouaché au début de la conférence, sachez que dès réception, nous allons le mettre disponible sur notre site web pour le télécharger directement pour les personnes intéressées. Alors Madame Ouaché, j'ai d'autres questions pour vous. Mm-hmm. Quel est l'impact de la médecine alternative sur le comportement des gens? Que reproche-t-on à la médecine moderne? Que reproche la médecine moderne aux médecines traditionnelles? Et une autre personne qui souhaite avoir plus d'informations sur l'effet des quatre cadrans, avec maturité acquise ou non, sur l'attitude de la personne en question. Voilà. D'accord. Alors, je ne vois pas le petit carré rouge. Voilà, ça y est. Il est là. Voilà, j'ai compris comment ça marche. Super. Alors, une chose importante, les reproches. Elle est bien cette question. Elle est bien cette question et en même temps, elle me désole, bien sûr, parce qu'elle ne devrait pas exister. Vous voyez, si je continue sur ce que je disais, il y a une médecine, une unie et une entière qui devrait s'adresser effectivement complètement. En même temps, il y a des spécialités et nous sommes tous hyper contents. J'ai beaucoup travaillé en pédiatrie à l'hôpital, aux urgences pédiatriques et j'ai assisté au début où on commençait à réanimer des bébés qui tenaient dans une main. Et voilà, c'était la néonatologie. Donc vous voyez, moi personnellement, d'abord parce que j'en suis issue, je ne m'oppose
Absolument pas, évidemment, et je n'oppose pas une médecine qu'on pourrait qualifier effectivement de traditionnelle à une médecine dite technique. Hein. Il me semble que précisément, elles doivent se compléter. J'ai habité la Suisse pendant quelques années et j'y retournerai d'ailleurs probablement parce que là-bas, on m'a fait une proposition que j'ai trouvée vraiment géniale dans une clinique de très très haut niveau qui reçoit des gens en international, beaucoup de chirurgie cardiaque, beaucoup de chirurgie très très fine. Le chirurgien que j'avais rencontré m'a dit « Écoute Odile, je ne comprends pas grand-chose à ce que tu me racontes. Hein. » Mais comme moi, vous savez, quand au début on m'a parlé de l'énergie, pour moi l'énergie c'était des kilojoules. Hein. Voilà, moi j'avais appris ça à l'école. Donc l'énergie qui circule dans le corps, maintenant on en a la preuve, hein, d'ailleurs en acupuncture on a pu mettre en évidence la circulation de l'énergie dans les méridiens, mais à l'époque on ne l'avait pas, et je me disais mais c'est de quoi il me parle ce monsieur Nogier, hein, jusqu'à ce que effectivement le langage devienne plus familier, le chi, l'énergie, voilà, la circulation qui va du haut en bas de nos corps et qui se relie à l'extérieur de nos corps. Oui, il est vrai que il y a parfois une incompréhension. Et je pense que ceux qui nous font des reproches, dis-nous, parce qu'évidemment, je me mets du côté de ceux qui essayent de défendre toutes ces thérapeutiques. Encore une fois, je les appelle tiroirs diagnostiques et thérapeutiques au cœur d'une grande médecine. Hein. Vraiment, moi, je ne veux pas les opposer. Si on fait du duel, il y aura toujours un perdant et un gagnant. Et j'aime bien l'expression, pardonnez-moi parce que je ne suis pas très angliciste, mais le fameux win-win, hein, moi ça me semble vraiment un truc génial. Et en fait, moi qui fais peu d'informatique, on va se retrouver avec l'énergie binaire de tous les ordinateurs, ça je l'ai appris avec Marcel Loquin, le fameux 0-1 qui fait le langage informatique, et ce n'est pas ou du 0 ou du 1, c'est du 0-1, ou du 1-0, ou du 1-1, ou du 0-0. Mais ce sont des combinatoires qui font qu'effectivement, ben, ça fonctionne et qu'aujourd'hui, vous arrivez à voir ma bouille et moi à voir celle de Mehdi directement. Donc c'est génial, vous voyez, sortir de la dualité pour aller dans le binaire, c'est-à-dire quitter le « ou » pour aller dans le « et ». Ça prendra un peu de temps, mes amis. Il nous faut de la patience. Ça, je crois que c'est une qualité absolument exceptionnelle. La patience nous donne l'émerveillement, disent les bouddhistes. Hein. Donc, vous voyez, la patience est nécessaire. La patience pour que ces deux mondes cessent de s'opposer. Je pense que dans la science qu'on appelle officielle ou qu'on appelle effectivement conventionnelle, il y a beaucoup de méconnaissance de ce que les autres tiroirs thérapeutiques et diagnostiques peuvent faire. J'en suis franchement désolée, je pense que ça demande du temps, mais pour peut-être vous expliquer pourquoi ça se produit encore, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je vais écouter ce monsieur que j'ai rencontré sur les pistes de ski, qui m'envoie voir Paul Nogier, pendant une journée entière, j'écoute cet homme que je trouvais brillantissime dans sa façon d'exposer les choses, mais je vous avoue que je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je passe mon temps à lever le bras en disant « Monsieur, vous avez dit ça, ça veut dire quoi ?» Bon, à la fin de la journée, je vois bien que je l'énerve un peu quand même. Encore une fois, l'énergie, les kilojoules, etc. Et puis, il propose de soigner quelqu'un. Il dit « Si quelqu'un a mal quelque part, on va vous proposer une démonstration. » Et moi, je dis « Toi, mon coco, si tu racontes des frasques, alors là, je vais le savoir tout de suite. » J'avais ce qu'on appelle une épaule gelée. C'est-à-dire une épaule, je ne pouvais pas bouger mon bras à plus de 10 degrés. Je me lève, je vais vers lui, il était futé, il me fait examiner par des rhumatologues et là, ouf, je suis rassurée, j'entends les mots, scalène, contracture, abduction, machin, etc. Tout ça me rassure absolument. Il me demande de m'allonger, mais une aiguille dans l'oreille, à un endroit auquel il me fait mal. Et là, il dit, vous voyez, c'est le signe de la grimace. Et là, je me dis, oh là 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 là, je suis où là? Le signe de la grimace. Alors ça, c'est vraiment, je suis tombée dans une secte, quoi. Hein. Vraiment, je m'inquiète. Et puis, il met l'aiguille et il me dit, levez votre bras. Et je le regarde et je lui dis, mais monsieur, je ne peux pas lever mon bras. Vous avez bien vu, nos confrères rhumatologues m'ont expliqué que j'avais une abduction bloquée à 10 degrés. Il me dit, vous ne risquez rien d'essayer, mademoiselle. Et là, je dis, vous avez raison, et je fais ça. C'est-à-dire que, en fait, j'arrive à lever mon bras. Et je vais vous dire, j'essaye de ne pas oublier cette anecdote. À l'époque, je suis un médecin de SAMU. Je ne connais rien à tout ça.
Et quand il me met une aiguille dans l'oreille et que je peux lever mon bras dans la seconde qui suit la mise de cette aiguille, je suis dans une panique totale. Et j'essaye de ne pas l'oublier. Vous voyez, pour comprendre toujours qu'est-ce qui se passe chez l'autre quand moi je propose quelque chose. De sorte que mon souhait le plus profond est que nous réussissions à, encore une fois, réunir nos différents points de vue, encore une fois, pour avoir effectivement une vue large qui nous permette d'accompagner au maximum et au mieux nos patients qui souffrent parfois simplement dans leur corps, qui souffrent parfois sur le plan mental, hein, sur le plan psychique, et parfois qui sont en désespoir de trouver du sens à leur vie. Les reproches, alors si je vais développer aussi ce petit aspect-là parce qu'il est intéressant, je vous ai expliqué tout à l'heure que le décret du 22 décembre 2020 m'obligeait à un véritable devoir de réserve dans ma façon de m'exprimer en tant que médecin sur des thérapeutiques entre guillemets dites différentes. Beaucoup de la science profonde, puisque Claude Bernard, qui est une figure dans le monde médical, qui représente la médecine dite expérimentale, Claude Bernard disait « number one, l'observation », « number two, l'observation », « number three, l'observation ». C'est-à-dire qu'à son époque, ce qui était vital, c'était d'observer. Nous, aujourd'hui, on observe moins, on fait confiance à des machines, et encore une fois, quand on peut aller opérer un bébé dans le ventre d'une maman qui sait que si on s'en opère pas son petit bout de chou, il ne vivra pas, vous imaginez comment je salue la technique et que moi je la vénère littéralement. Mais je peux préparer avec un peu de travail sur l'énergie. Alors le mot homéopathie aujourd'hui en France, quand vous dites homéopathie, on est prêt à vous enlever votre diplôme de toubib. Pourquoi ? Parce qu'on nous reproche, par exemple, en homéopathie, de ne pas avoir apporté les preuves. Elles existent. Mais je pense que, et j'en ai discuté un jour avec un de mes oncles, qui est un grand ingénieur, et qui me dit, mais Odile, peut-être tu ne te rends pas compte qu'avec ta petite pilule, dans laquelle on retrouve à peine de molécules, sauf dans les bases dilution, les 4-5 CH, eh bien, c'est impossible à comprendre pour un ingénieur. Et depuis, on a fait énormément de travaux, il y a beaucoup d'avancées où effectivement, on sait aujourd'hui que la réalité, par exemple, de l'homéopathie, c'est de l'information. Et c'est vrai que pour l'instant, en médecine, eh bien, cette notion d'information, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est reliée, hein, encore une fois, vous connaissez tous abscisse ordonnée, hein, vous avez tous appris ça à l'école, eh bien, dans effectivement l'ordonnée, vous avez la matière, et je répète, Lavoisier, la matière se transforme, elle ne se perd pas, mais elle se transforme. L'information, elle est pérenne, hein, elle est arrêtée, encore une fois, ni par le temps, ni par l'espace. Eh bien, l'action de l'homéopathie est informationnelle. Et peut-être que nous, les homéopathes, et je dis nous parce que je la pratique aussi, nous ne passons pas assez de temps dans des laboratoires de recherche. Il faut beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Et puis, il y a un obstacle majeur. L'obstacle majeur est la notion des études dites randomisées. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que je pense que peut-être, et c'est non pas la différence, mais l'apport que donnent ces médecines ouvertes, ces médecines dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est le temps qu'il s'agit de prendre avec un patient qui fait que, effectivement, la consultation est beaucoup plus longue et que nous passons donc beaucoup de temps avec nos patients et beaucoup moins effectivement sur ce temps de recherche. Ceci dit, ces recherches existent, mais il y a une phrase qui me vient, hein, vous la connaissez tous, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein, et évidemment, encore une fois, je vous ai raconté l'anecdote de ma surprise, de presque, je pourrais dire, ma détresse au moment où, effectivement, l'aiguille m'a permis de lever mon bras.
Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension en fait dans ces deux choses. Et encore une fois, mon souhait, c'est qu'on n'oppose pas ces médecines, mais qu'on les complémentationne. Hein, voilà, j'ai inventé un mot avec vous en même temps. Et c'est ce que me demandait ce fameux chirurgien de Suisse. Odile, moi, ce que je veux, c'est que tu me prépares mes patients que je vais opérer. Tu fais ce que tu veux, même la danse du feu si tu en as envie. Mais j'ai compris qu'effectivement, quand on donne effectivement telle et telle chose, quand on fait de l'acupuncture avant, après, eh bien, les patients récupèrent mieux, s'infectent moins, etc. Et ça, c'est tellement dommage de se priver effectivement de ça. Merci beaucoup, merci docteur pour ces éclairages. Alors, avant de finir, il y a deux petites questions et je pense que c'est des questions extrêmement importantes et qui peuvent être vraiment une très belle conclusion. Mmh. On a une personne qui est hypersensible à la douleur et qui a une phobie des maladies. Du coup, elle demande comment est-ce qu'elle peut maîtriser cette douleur et l'atténuer. Et enfin, la dernière question, et je pense que ça peut être une excellente conclusion, quel conseil vous pouvez nous donner pour mieux gérer le stress? Voilà. Magnifique. Magnifique parce que, alors je vais répondre à la deuxième en premier, hein, si vous me permettez, parce que ça c'est absolument énorme, on est dans un moment quand même dans le monde entier où le stress effectivement est là tout le temps, et ce que nous savons c'est aujourd'hui c'est que le stress baisse notre immunité, donc vous voyez on est dans une chose qui est antinomique totale. Eh bien je vais démarrer par le très très simple, je vais démarrer par la respiration. Et la personne qui me pose cette question, je la remercie parce que je me penche, vous voyez, vers mon poster qui est derrière et je vais reprendre les fameux 7 piliers de la médecine chinoise. Premier pilier, la respiration. Vous voyez, dans la douche énergétique que je vous ai montrée tout à l'heure, à chaque fois que vous bougez, vous inspirez et vous soufflez. Donc, ne le faites pas à toute allure, faites-le doucement et quand vous le faites, il y a 3 respirations sur chaque bras, 3 respirations quand on fait les jambes et des respirations. Donc, dès que vous vous sentez en état de situation stress, une première chose, vous prenez une grande inspiration. Pensez à baisser vos épaules. Dès que vous montez vos épaules, et on le fait tous quand on est stressé, vous tractez le diaphragme et là, l'énergie ne circule plus. Hein. Je disais tout à l'heure dans la quadripartition, le but, c'est de ramener les énergies au centre. Pour que ça rayonne. Hein. Donc la respiration. Ensuite, une très bonne alimentation. Et amusez-vous, ça c'est très facile à retenir. Qu'est-ce qui fait le bébé quand il arrive au monde? Il pousse un cri, il respire. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lait de maman. Hein. Cette qualité du lait de la mère qui est absolument géniale, qui contient d'ailleurs très peu de calcium, je dis ça parenthèse au passage, et qui fait que par contre il a les anticorps de sa maman, etc. Une alimentation de qualité. Moi, c'est vrai, j'essaye de manger le plus biologique possible, comme on dit. En même temps, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai reçu une invitation, parce que je les connais bien, du RIAM, hein, qui est un organisme marocain, qui fait un webinaire tout à l'heure sur l'agroforesterie et l'agroalimentaire. Et je les ai rencontrés à Sidi Ifni il y a 3 ans. Et vraiment, ils font un travail absolument extraordinaire de faire en sorte qu'effectivement, on mette le moins possible, effectivement, d'un comme on dit dans le monde de l'agriculture. Je ne vous l'ai pas dit, moi j'aime bien le dire, je suis une fille de paysan. Hein, voilà, moi mon père avait 5 métiers, mais il avait celui d'être agriculteur, et donc j'ai hélas été éduquée dans une agriculture intensive et où j'ai vu des catastrophes se produire, et on en voit effectivement encore. Donc cette alimentation de qualité, vraiment pas saisie du temps. La troisième chose, c'est de bien dormir. C'est capital. Quand le bébé a fini de téter maman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit rot. Et après, il s'endort hein, sur l'épaule de sa maman. Eh bien, effectivement, bien dormir est fondamental. Dormez suffisamment, ça c'est très individuel. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 8 heures, ça c'est pas mal. J'aime bien dire que moi je fais les 3-8. Hein. Voilà, donc dormir 8 heures, je trouve que c'est une bonne idée. Il y en a qui ont besoin de 5 heures, il m'arrive, voilà, quand j'ai besoin de travailler plus longuement. 5 heures, ça peut me suffire, c'est des histoires de cycle de sommeil. Hein. Si vous vous souvenez de vos rêves, vous saurez que vous dormez assez.
essayez de vous souvenir de vos rêves. C'est quelque chose de très, très intéressant. Et c'est une manière d'éliminer le stress parce que votre inconscient va vous parler pendant que vous dormez. Et donc, il va vous donner des images. Parfois, c'est un peu scabreux, c'est un peu bizarroïde, c'est un peu machin. Mais ne vous inquiétez pas, les interprétations des rêves, c'est aussi une chose que je fais. Mais ça, c'est une façon de les écrire, par exemple, même si c'est uluberlu total. Eh bien, c'est une façon de sortir du stress de vous. La quatrième chose, c'est de bouger. L'exercice physique. On en a tous besoin. Il y en a qui sont plus ou moins portés sur la chose, mais on a tous besoin de bouger. Faire du vélo, faire de la piscine. En France, les médecins ont le droit de faire rouvrir les piscines qui ont été fermées hein, pendant le confinement. Et on peut les faire rouvrir si nous témoignons qu'un patient a absolument besoin d'exercice physique. Quand vous sentez que ça s'emballe là-haut, hein, que le petit vélo travaille un peu trop fort, mettez vos baskets et allez marcher. Si vous n'avez pas de piscine, si vous n'avez pas de salle de sport, on peut toujours effectivement marcher. Bon, nous, en France, on est obligé un peu maintenant de présenter notre attestation, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, et on a le droit, heureusement, de marcher, faites-le à minima. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, un exercice physique. Ensuite, respectez la notion des rythmes dans la journée. Vous travaillez 2 heures. En France, je ne sais pas si vous avez ça chez vous sur les autoroutes, mais on a des grands panneaux, c'est marqué toutes les 2 heures, la pause s'impose. Eh bien, je conseille effectivement à tout le monde de se mettre, grâce à nos engins là, techno, on peut se mettre des petits bips. Toutes les 2 heures, même si vous avez un travail intense à faire, vous vous arrêtez, vous inspirez, vous mettez vos mains sur votre bureau, en soufflant, vous vous levez, vous vous rasseyez, vous avez fait votre pause. Si elle ne peut pas durer plus longtemps que cela, elle dure déjà. C'est un rythme à ce moment-là qui est donné. Toutes les 2 heures, la pause s'impose. Les Chinois proposent également dans la médecine chinoise ancestrale de respecter le rythme des saisons. Là, hélas, on ne va pas avoir le temps. J'avais préparé un petit document, mais je vous dis de quoi il s'agit. À chaque saison correspond un couple d'organes. Nous sommes en hiver. C'est le rein et la vessie qui sont le président de la République et le Premier ministre. Eh bien, et ils vont, c'est hyper démocratique cette affaire, au moment où le printemps arrivera, il passera le relais. Hein, le relais, d'ailleurs, vous voyez, je vous avais fait un petit dessin avec voilà, le truc du relais, hein, le passage dans la course relais, parce que je suis aussi médecin du sport, de biologie et de médecine du sport. C'est comme je m'ennuyais, voilà, j'ai exploré d'autres choses encore. Et effectivement, voilà, chaque saison va correspondre à un couple d'organes qui va diriger nos émotions. Par exemple, la peur, on parle du stress, est dépendante du rein. Si votre énergie rein est faible, eh bien, effectivement, vous aurez beaucoup plus peur. Alors que si vous remontez votre énergie rein, ça c'est de l'acupuncture hein, essentiellement, mais ce que je vous ai montré tout à l'heure en tapant un peu dans votre taille, vous allez doper vos reins et vous aurez moins peur. Après, je m'amuse aussi avec, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup exploré le monde bouddhiste. Il y a un mantra tibétain, et si vous le voulez, je le donnerai à Mehdi et il vous le donnera. Hein. C'est le mantra d'Avalokiteshvara, qui était un grand dieu bouddhiste, et qui donne un mantra pour gérer le stress, justement. Après, je vous ai parlé tout à l'heure des mudras hein, dans mon introduction. Petit livre, vous voyez, que je vous propose d'avoir avec vous. C'est un petit livre qui s'appelle Les mudras, écrit par Philippe Vincent. On ne s'est jamais rencontré. Je lui fais une pub d'enfer pour tous ses bouquins. Il est petit, comme vous le voyez, il se met dans la poche. Et en fait, à chaque fois, il va vous donner la raison pour laquelle, et l'heure à laquelle on peut, par exemple, pratiquer. Voilà, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez le voir. Un mudra, et il y a des mudras pour la peur. Alors, peut-être je vais terminer sur, alors la dernière chose, pardon, dans le listing des Chinois, c'est unir en nous le féminin et le masculin. Nous les femmes, on a tous un animus, vous les hommes, vous avez tous un anima. Ça, ce sont des mots de psychologie, et donc il s'agit d'équilibrer les deux en nous, bien sûr. Et puis, je vais terminer pour donner la recette de l'antistress, eh bien, c'est de pratiquer la joie, la gratitude, d'essayer, vous voyez, sans cesse de transformer nos émotions en sentiments. Il y a des outils pour cela. Les émotions, elles nous tsunamisent, nos sentiments nous animent. Et dans les émotions, il y en a 4 grandes. Et elles sont intéressantes d'observer en nous-mêmes. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis désespérée? Et effectivement, quand on travaille sur les 4, là aussi, vous pouvez aller taper les 3 insupportables de Graf
Durkheim sur Internet et vous aurez accès à tout ce qu'il raconte sur la peur, la tristesse et le désespoir. Et Odile Wachy qui se mêle toujours de tout a rajouté la colère parce qu'un jour, dans une situation, je me suis aperçue que je me retrouvais dans une situation de colère qui me confrontait à une forme d'impuissance très très grande et qui me mettait en grosse difficulté de stress. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Je suis en stress. On peut dire, voilà, je suis en stress, je suis en train de trembler, je me sens mal. Respirons et essayons de contacter le sentiment, ou plus exactement l'émotion qui est première et qui prend trop de place. Vous voyez, dans la quadripartition, je vais reprendre mon dessin, si je donne trop de place au corps mental, il va prendre toute la place. Et je vais à ce moment-là consacrer 98% de mon temps à mon job et je vais négliger de m'occuper de moi, de ma famille, de mes amis, de mes parts spirituelles. Et là, effectivement, je vais déséquilibrer complètement les choses. Donc, stress, je vous ai donné tous les éléments à partir de la respiration, les 7 piliers de la médecine chinoise, ça aussi, vous pouvez aller voir, ce n'est pas un secret, vous trouverez ça. Des livres d'acupuncture, j'en ai 400, donc c'est vous dire si effectivement, là, il m'est difficile d'en sortir un. Mais effectivement, déjà ça. Et puis d'identifier l'émotion qui domine, et puis de peut-être parfois, et là vraiment, il ne faut pas hésiter. Quand on se fracture une cheville, on se fait mettre un plâtre. Hein, et on va voir l'ostéopathe. Eh bien, quand on a une émotion et qu'on ne s'en débarrasse pas et qu'elle est récurrente, faisons-nous aider. Il y a des êtres, parfois, il suffit que nous nous exprimions, que nous nommions les choses. Alors, on peut s'adresser à une figure spirituelle qu'on aime bien, dont on a le portrait chez soi. Mais aussi, évidemment, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes. Et encore une fois, même prendre, il m'arrive de donner des antidépresseurs. Vous voyez, quand je sens que quelqu'un est allé trop loin, a vidé complètement ses batteries, effectivement, je ne vais pas lui donner Arnica. Hein, je vais effectivement l'aider à sortir la tête de l'eau. Et c'est là que la médecine, vous voyez, conventionnelle et non conventionnelle se réunissent. Je vais donner un antidépresseur et puis après, on va faire le travail pour comprendre pourquoi je me suis retrouvée dans cet état de dépression. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour autant de savoir en si peu de temps. C'est incroyable. On aurait aimé vraiment vous avoir encore plus longtemps et je sais que le public est d'accord avec moi. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, c'est moi. Merci. Franchement, c'était exceptionnel. Moi, personnellement, je n'ai pris que du plaisir. Donc, franchement, merci. Donc, voilà, donc notre séminaire touche malheureusement à sa fin. Ce fut court mais intense. Alors, cher public, je vous donne rendez-vous après-demain à 10h30 pour le troisième séminaire de l'Université citoyenne. On va recevoir M. Benamour, qui est fondateur de HEM et ex-président du Conseil de la concurrence, pour nous parler donc du Conseil de la concurrence, donc dans les coulisses d'une institution. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été présent aujourd'hui. Et docteur Odile Myriam Wachy, je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour nous. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci beaucoup, Mehdi, et merci vraiment à tout le monde. Et puis, cette passion que j'ai sentie, qui est passée au travers de l'image, je ne m'y attendais pas. C'est une belle surprise, c'est un très beau cadeau. Une très jolie soirée à vous tous. Respirez. Respirez. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Mehdi.